pas te voir? Tu sais même pas comment je t'ai coiffée? Mais si. Je t'ai coiffée comment? Avec une natte. Non. J'ai fait une demi-queue de cheval. T'as une queue de cheval et t'as aussi les cheveux en dessous. On va voir dans le miroir. Tiens, regarde. Comme t'es jolie. Tu peux me prendre en photo? Bien. C'est l'heure du café. S'il veut bien couler. Cool, cool, petit café. Allez, s'il te plaît. Un café. Il fait le timide en fait, c'est quand je le filme pas. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, ce matin, voilà, Elliora est partie à l'école. Moi, je vais me prendre une douche et tout. Et mon obstétricienne m'a dit de profiter de ces dernières semaines pour me faire masser et me détendre à fond, parce que sinon je vais jamais tenir le coup. Je pense qu'elle a pas tort. Donc ce matin, je crois à 10h30, j'ai booké un massage à la maison via une application super connue, c'est Wikaza. Enfin, j'ai pas de collaboration avec eux, hein, je paye mon massage, il n'y a pas de souci. Je les avais déjà utilisés il y a quelques temps en me disant ah, c'est vachement pratique, faut que je passe plus souvent. Mais évidemment, on est comme tout le monde, on pense jamais vraiment à prendre soin de soi. Donc ça doit être il y a un an et demi la dernière fois que je l'ai utilisé et ça s'était super bien passé. Là j'ai pris donc un massage maternité, enfin post-maternité je vous dis. Et du coup j'ai hâte que la dame arrive et que ça soit trop bien. Et là mon café est cool, mais il est long. Et sinon j'ai pas trop de trucs prévus parce que hier j'ai bossé jusqu'à genre je crois 1h15 du mat, un truc comme ça. Oui, ça va pas en s'arrangeant, moi je sais. Parce que du coup, comme je vous sors les vlogs le matin en fait, et que j'avais un jour, en fait le truc qui était bien, c'est que j'avais un jour de décalage que je n'ai plus maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y avait un vlog qui était naze, donc il y avait toujours de décalage avec le fait de poster le matin à 7h30. Donc du coup, je suis obligée de monter le soir assez tard. Je vais essayer de mieux m'organiser par rapport à ça, parce que franchement, c'est pas possible. Je suis une psychopathe. J'en ai profité d'être dans la cuisine, si je n'y étais jamais, pour faire tourner une machine de couleur. Tout va bien. Oui, parce que je me dis comment je vais faire pour monter aussi tard quand j'aurai la deuxième. Et ben je sais pas. Je sais pas. Bon là je vais juste me poser, profiter qu'il y ait un peu de soleil. Donc je vais me mettre comme ça face au soleil. Oh. Pour recharger mes batteries en vitamine D. Par contre, j'ouvre pas les yeux parce que sinon je me crame les yeux là, clairement. Mais ça fait du bien, ça faisait longtemps qu'il y avait eu de soleil le matin. Ça fait du bien. Bon, voilà, je me suis fait masser et comment vous dire, ça fait un bien fou. Je me sens détendue, je me sens bien. Ça m'a fait même du bien psychologiquement. C'est fou comme détendre votre corps, ça peut juste détendre votre psychique aussi. Là j'ai ma maman qui arrive pour déj avec moi et elle me rapporte parce qu'elle a été adorable. Elle m'a dit donne-moi le linge du bébé, je vais tout laver, tout repasser et tout ça, tu vas pas le faire, t'es trop fatiguée, je peux pas rester debout et tout ça. Elle a été mais tellement chouquette, tellement mignonne. Donc elle me rapporte tout ça ce midi et on en profite pour déj toutes les deux. Je suis trop contente, ça fait longtemps qu'on n'a pas déj toutes les deux. Bon j'attends maman, je me suis juste préparé mon assiette parce qu'elle a déjà son déj. Je me suis pris deux mini bagels avec concombre, carotte, sauce. Là j'ai du guacamole. Et ma petite prep pour mettre dans mes bagels. Et sinon j'ai fait réchauffer la tarte à la tomate. Bon bah le déj avec maman c'est fini. Elle retourne travailler mais la pauvre elle a pris son truc. Elle avait pas fermé, elle a tout qui est tombé. Oui c'était chouette ce déj entre filles. Du coup je me suis installée dans mon lit avec mon ordi. J'ai quand même des trucs à faire. Du montage. Checker les mails que j'ai pas ouverts depuis ce matin en fait. Je n'ai pas ouvert mes mails depuis ce matin. Je crois que je n'avais pas envie aujourd'hui. C'est lundi, mais il faut quand même le faire. Du coup, je regarde ça, il y a des trucs auxquels il faut que je réponde, tout simplement. Bon, ma poupée, elle est rentrée. Tu sais pourquoi on ne veut pas utiliser le rose? Non, pourquoi? Parce qu'en fait, le rose est trop gluant. Après, la pâte à modeler rose, elle est trop gluante? Oui, tu veux toucher, tu vas voir, c'est la cata. Oh, fais voir. Attends, tu peux, je vais faire... Moi, je vais l'attraper, chérie. Et tu vas ouvrir et tu vas toucher avec mon doigt. Ah. Elle est attends. Vraiment molle. Bah viens. Non c'est toi tu vas toucher. Mais dans... Peut-être juste elle a eu chaud hein. Mais non. Mais non appuie. Ah oui là je vois t'as raison. Bah je pense qu'elle a eu chaud en fait.
Oh non! En fait, hier, comme j'ai fait le meal prep, ce soir j'ai juste à faire cuire de la viande. Et comme j'ai fait la mise à jour de mon Magimix, j'ai le mode rissolage. Donc je vais faire ça. Je suis trop contente. J'en parlais hier soir avec une copine, genre à minuit. On parlait de la mise à jour Magimix, tout va bien. Ça, c'est un peu les nanas qui font du fait maison, qui sont un peu obsédées par leur robot et tout ça, parce que c'est vrai que c'est un gain de temps de ouf. Et là, d'avoir en plus le mode rissolage maintenant. Dans les... hop, c'est dans cuisson, jetage, rissolage. En fait, ça change la vie parce que j'ai plus besoin de passer à la casserole ou quoi que ce soit. Je peux faire directement là-dedans. Donc je vais mettre un peu d'huile d'olive. Je vais simplement découper ma dinde, mais je vais d'abord mettre des oignons à rissoler et après je vais mettre la viande. Alors, les oignons sont assez... Ils sont là. Et je mets des petites carottes aussi. Les oignons, je les ai déjà découpés. Donc ça fait partie des avantages du meal prep. Ils sont déjà prêts. Donc je vais en mettre un petit peu. Et au moins je pleure pas toutes les larmes de mon corps. Hop, encore un peu. Et je vais rajouter les petites carottes râpées. Les petites carottes en tranches que j'avais coupées à part des carottes en bâtonnets, parce que je me suis dit si je veux faire des carottes cuites, il faut quand même que j'en ai. Et je vais mettre ça à rissoler tout simplement avec le mode rissolage de mon super. J'ai mis que je suis trop contente. Ça dure 7 minutes et c'est un mode automatique en fait. Bon bah je suis trop contente, le mode de rissolage il a trop bien marché. Maintenant je vais simplement mettre de la crème et de la moutarde et mettre à mijoter tout bêtement, comme ça ce sera prêt non, rapidement. Et voilà, franchement entre le meal prep que j'ai fait dimanche et le robot, autant vous dire que c'est un gain de temps dingue. J'ai fait plein de trucs hein, pendant que ça se faisait, moi j'ai juste eu à réchauffer la purée et les haricots verts et le reste c'est fait tout seul, je suis trop contente. T'as kiffé les petits pains que maman l'a fait? Oui. Ils sont bons? Mais il n'y a pas à en avoir un autre. Bah t'en as un dans les mains là déjà. Tu veux que je le coupe comme à midi? Non. Tu vas le manger en entier comme ça? Oui. Sans rien? Ouais. Moi je t'aurais coupé une moitié que t'aurais mangé là. Et l'autre moitié pour le dessert on aurait mis quelque chose dessus. Tout seul. Tout seul? Ok. Et ça c'est bon aussi hein. Je mange bien. Oh tu peux couper, je mets du poulet. Un petit bébé cœur. Ça fait de la musique. C'est la comme si c'était des canons de glace ou des cirques. Quoi? Ça c'est mon oreiller préféré danse, par contre. En faisant tanguer le plancher. On peut le garder pour Noël sans bruit. En jouant de la boîte à musique tout en essayant de ne pas tomber. Bien sûr. Non. Et vous, ils vont croire que c'est ce qu'on dit. Oui. Oui. Et ils vont dire c'est bizarre, c'est bizarre. J'ai jamais entendu parler ça. Alors mon amour, est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien. Est-ce que tu peux me gratter ici? Dans l'oreille? Est-ce qu'ils sont bons les petits pains que maman a fait? Oui, c'est bon. Est-ce qu'ils sont bons avec le Nutella que maman a fait? C'est très... On te fera bien, je vais te gratter l'oreille. Attention avec ton genou parce que tu me donnes des coups dans le ventre. Mais si tu me gâtes, je sais pas. Je touche l'oreille. T'es vraiment, tu crois vraiment que ça touille. J'arrête. Parce que sinon, je peux te donner un petit temps. Sans faire exprès, ouais, je sais. Oui. T'inquiète pas. Mais pas moi pour chatouiller, c'est juste une petite rire. Moi, je crains pas trop. Merde. Ça va être dit. Allez, fais-moi des gros câlins. J'ai pas eu le droit à un câlin aujourd'hui parce que t'étais en train de t'amuser dans ta chambre. J'ai oublié de te faire un câlin. Comment ça?
Bisous tigré. Bisous tigré. Bisous normal. Mais tu m'as écrasé le visage carrément. Tellement il y avait de l'amour dans ce bisou. Tu sais ce que je vais faire? Non, qu'est-ce que tu vas faire? Non. On l'a pas chargé. Papa est rentré. Papa, tu fais aussi? J'explique. Alors c'est comment, chérie? Très bon. Très bon. C'est grâce à la nouvelle fonction de la mise à jour du Magimix. Il en peut plus, j'arrête pas de lui dire ma mise à jour, ma mise à jour, ma mise à jour. Bon, les minutes, je suis encore en train de travailler depuis 22h30 sur la vidéo qui va sortir à 7h30. Voilà, tout va bien. Du coup, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.